Hey, salut à tous et à tous, Alex, comment vous allez? Écoutez-moi, ça va bien. On se retrouve les gars pour une vidéo sur Rebel World Cup 2015 sur PC. Voilà, donc je vais vous faire un petit peu une présentation de ce jeu. Je vais juste enlever la souris. Donc on va faire un petit France-Australie, voilà. J'ai un petit peu essayé le jeu qui est vraiment bon, pas énorme. Honnêtement, je préfère vous le dire. C'est pas forcément un jeu que je vous conseille, mais bon, il est vraiment... Après, franchement, quand on y est, il est vraiment agréable. Donc, en difficulté médium. Et on va regarder l'effectif. Kaiser, ouais, non. Franchement, c'est un superbe effectif. Avec Scott Speeding en arrière, ça va faire des dégâts. Scott Speeding, Nakaitasi et UG derrière, ça va être magnifique. On est parti donc pour ce match et pour ce jeu. Donc, pourquoi j'ai dessus déçu? Parce que les graphismes, bon, c'est pas des graphismes de fou, mais c'est pas non plus des graphismes trop pourris. Voilà, hein, on reconnaît que c'est Yuan UG, les cheveux longs et tout, mais après, voilà, c'est pas non plus des graphismes de fou. Les passes sont un peu mal modélisées, tout est un petit peu mal modélisé, mais après franchement, c'est assez agréable à jouer. Et bon, pour le prix qu'il vaut, je trouve qu'il le vaut pas. Il le vaut pas maintenant. Donc voilà, vous pouvez voir les graphismes un petit peu, je suis sur PC. Toujours en graphisme very high ou fantastique, je ne sais pas du tout. En tout cas, quand je règle, j'espère qu'il n'y aura pas de lag à 3% en jeu à peine. Après, au rendu, il faut voir. Donc voilà, le 15 de France, Kaiser de Bati, Maspapé, Maestri, du Sautoir, Leroux, Goujon, Trinduc, Para. Après, on a Nakaitasi, ouais. Mais ça, franchement, ça c'est une des meilleures équipes du monde. C'est mes favoris pour la Coupe du Monde. Les Australiens. Les Australiens qui sont quand même une très grande équipe de rugby. Et le match est parti. L'équipe de France contre les Australiens. Engagement pour l'Australie. Voilà. Vous pouvez voir que c'est pas top. On est vraiment Nakaitasi. Allez, hop. Et libération de balle. Regardez, on n'est pas... On n'est pas dans du truc qui est trop violent, on perd la première. C'est vraiment un test en vrai, parce que j'ai c'est la qualité des graphismes. Oh, on a fait la récupérer, c'est dommage. Oh, avantage australien. Avantage australien en cours. Je joue à la manette hein, sur le PC, parce que c'est un peu chaud de jouer au clavier. Enfin, je pense même pas qu'on peut jouer au clavier, mais je pense ça. Ah, les Australiens qui vont le mettre. Premier essai australien, 5 minutes de jeu. Et ouais. Bon, après, on va se ressaisir, je l'espère. Allez, Black Franklin qui le met tranquillement. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et que si vous hésitez à acheter le jeu et tout, et que vous avez peur, parce qu'il n'y a pas tant de vidéos que ça sur ce jeu. Et si vous dites, ouais, ce jeu, je sais pas trop s'il va me plaire et tout. Honnêtement, après vous pouvez voir la vidéo si vous êtes sur PC. C'est pas un truc que je vous incite à faire, mais vous pouvez le craquer. C'est ce que j'ai fait moi. Je me suis dit, je sais pas si je l'achète. En fait, j'avais précommandé chez Micromania. Il m'a envoyé le message, mais je me suis dit, je sais pas trop si je compte après y jouer ou quoi. Je jouais pas une Coupe du Monde à la balle sur ce jeu en vidéo. UG, Yohan UG, Yohan UG est parti. Oh, c'est dommage. Allez, bien joué, ballon français. Leroux. Kaiser avec Bastaro. Bastaro qui met les gaz. Mathieu Bastaro qui va peut-être se faire rattraper. Et l'essai de Bastaro. Bel essai de Mathieu Bastaro. Là, il a montré les crocs. Il a été rapide, regardez comme il court quand même, hein. C'est pas top la course, ça se rapproche vraiment de rugby 2011. Mais bon, allez, par contre, ouais, l'interface a un petit peu changé, c'était pas... Rugby 2011 en fait, elle n'avait pas changé par rapport à 2008, et en fait là, les graphismes ne changent pas, mais après la façon de jouer change, et je me foire. Je suis très mauvais sur ce genre de coup de pied, j'arrive pas trop à gérer. J'ai fait une Coupe du Monde en facile et j'ai perdu en finale contre je sais plus quelle équipe, je pense que c'était pas l'Australie, c'était l'Angleterre. Allez, Nakaitasi qui est reparti, qui remet les gaz, Nakaitasi qui s'est fait stopper par la défense australienne. Et la faute dans le rug. La faute dans le rug pour l'équipe de France. J'espère que j'ai pas aimé trop en tout cas. C'est parti, ça renvoie d'or.
Alors là, ça va vraiment être. Attention, Rafa Herrera. Oh, on a sauté trop tôt. Mais attention, les Australiens qui se sont fait stopper. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Et Michalak qui dégage devant. Ça retombe sur un Australien. Mais on a gagné. On a repris du terrain. Ah, c'est plutôt le canon perdu. Ah, très très belle. Très très belle possession australienne. Attention, il s'approche dangereusement. La percée des Australiens. Oh, la percée. Oh, la percée. Stoppé une nouvelle fois. Oh, bien joué. A chaque fois, là, on est héroïque sur ces coups-là. Et on renvoie. A chaque fois, c'est à la hauteur de la ligne des 40 mètres. Oh, attention, il faut le stopper. Il faut le stopper. Oh, bien joué. Bien joué. Excusez-moi si vous entendez le bruit de la chaise. Si vous voulez d'autres vidéos, honnêtement, je pourrais refaire la finale, mais bon, je pense que ça ne paiera pas. Sauf s'il y a des grands fans de rugby, je suis pas contre. Parce que, ouais, voilà. Le plaquage, je vais dire le tap. Non. Tapé dans FIFA. Ah, ils reprennent. Ils reprennent, c'est dommage. 30 minutes de jeu, très très serré pour l'instant le match. Hein. En même temps, c'est deux très très grandes nations de rugby. Et je dis pas ça parce que je suis français, non. La France, quand même, est une très très bonne équipe. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose parce que, bon, on le connaît, les Français ont une bonne équipe, mais on sait jamais ce qu'ils peuvent faire en fait. On n'est jamais à l'abri. Allez, en 2011, tout le monde se dit, ouais, la France est mort. Et non, ils étaient quand même arrivés en finale. Ils s'étaient fait d'ailleurs un petit peu arnaquer par les arbitres. Car bon, c'était en Nouvelle-Zélande, donc c'est normal. Allez, là, faut le récupérer vite ce ballon. Faut vite le récupérer. On l'a récupéré. Michalak avec Bastaro pour Huger. Oh non, c'est perdu. La prochaine fois, faut dégager au pied. La prochaine fois, faut le taper au pied. Où je pensais que c'était pour un. Oh non, la faute. Oh non, elle est bête vraiment cette faute. La grosse faute dans le. Dans le ruck, et ça offre 3 points aux Australiens. Blake Franklin qui met son deuxième tir. Allez, Train Duke. Ça retombe sur Offlan Adlan. Offlan qui est au cyclisme. Oh, bien joué. Attention, on a Kaitasi qui a bien fait la passe. Et avec nous, toujours pour la France, étoile. Attention. UG, Papé, avec Bastaro. Michalak avec Nicolas Mas qui a avancé. Elle est pour Johan UG. Johan UG qui se fait stopper. Oh non. J'ai appuyé sur le bouton pour partir seul. Grosse erreur. Elle va sortir. Non, il n'est pas sorti. Scott Speeding qui met les gaz lui aussi. Scott Speeding est rapide. Et Scott Speeding qui est parti. Scott Speeding qui se fait stopper par les Australiens. Allez, dernière action de cette première mi-temps. Pour revenir au score. Du moins, revenir d'une part et passer devant peut-être d'une autre part. Oh, UG qui se stoppe une nouvelle fois. Allez, pas la connerie là. Pas la même et la faute. Oh là là, dans le ref. Ah, faudrait qu'il prenne une mêlée. Non. C'est fini. Hop. L'arbitre nous renvoie au vestiaire. Les Australiens qui sont devant, mais d'une courte tête. Car on n'est pas ridicule. On n'est pas ridicule dans ce match. On voit que les nôtres ont quand même bien couru. Allez, on va renvoyer Train Duke. Et Train Duke aussi, je dommage qu'il se fait écarter parce que franchement c'était très fort. Les Australiens qui l'ont balancé en touche. Allez, pour nous. La faut relancer. Nakaitasi qui va y aller. Peut-être Nakaitasi. Oh là là, non, Nakaitasi. Il s'est fait prendre par la patrouille australienne, les jaunes. Juste devant nous, les Wallabies.
Attention, je croyais qu'elle avait intercepté. Non, c'est bon. Oh ouais, ils nous ont récupéré, on n'était pas bien. Je comprends pas trop le truc des joysticks des fois. Là, ça va taper au pied. Et ça va sortir direct. Touche quasiment au même endroit que tout à l'heure. Oula, dommage. Allez, bien joué. Là, il faut la reprendre. Là, il faut la reprendre. Et voilà, on est plus rapide qu'eux. C'est compliqué à faire des passes quand même parce que bon. Enfin, moi, en fait, c'est marqué et tout, je lui inboxe des fois. Et en fait, vu que je suis sur PS3, c'est pas évident. En fait, le truc que j'ai utilisé pour mettre ma manette de PS3, ça me disait qu'il fallait mettre des configurations et du bloc, je sais pas quoi. Et l'essai, l'essai de Wesley Fofana. Il est rapide, il est très très fort en plus. Wesley Fofana, mon arrière, c'est un très très grand joueur de rugby. Et là, il nous l'a prouvé. Regardez, il est passé et là, il a plongé pour aller aplatir ce ballon en face des poteaux pour François Trinco. Attention. Oh, 77%, oui, ça passe. Et on revient à égalité. Ex-aequo. Ah non, on passe devant. Pardon. Et je me disais, ils ont pas 12 ans les Australiens, mais oui, c'est bien ça. Ah. Oh non, oui, oui, si on l'a, on l'a. Il faut pousser le jeu, faut le poser le jeu. Il faut aller rapidement, voilà, allez, c'est reparti. De l'autre côté, Yohan Ugé qui va esquiver. Non, Yohan Ugé, de toute façon, il faut tenter des percées. Et puis, c'est un joueur qui joue comme ça. Ah, on est pénalisé une nouvelle fois. Nouvelle faute dans ce rug pour l'équipe de France. Et Franklin. Eh, Franklin, ça va pas passer pour Franklin. Allez, on tape dehors. Ouh. Et ouais, c'est bien ça, parce qu'on les a envoyés loin, les Australiens. Ouais, mais ils sont costauds, ils sont tellement costauds qu'ils sont durs à voir. Mais là, c'est récupéré. Eh, même en médium, c'est chouette, hein. C'est pas un jeu qui est facile, je trouve. Là, c'est pas vraiment comme dans FIFA ou niveau amateur, enfin. Peut-être il faut jouer, mais en fait, vu qu'il y a des jeux, il y a pas des jeux de rugby qui sortent très très souvent, ça va être chaud, la percée de joie du G. Yohan Ugé, oui. Et oui, le mec. 17-10 maintenant pour nous. Allez, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire, François Trinduc? Oui, 95%, ça va passer. Et là, on est bien. Là, on est très bien. Et les Australiens qui ont fait un petit changement. Petit changement tactique du côté australien. Et ça renvoie au pied pour Yohan Ugé. Les Australiens qui sont chez eux, ils sont chassés. Maintenant c'est nous qu'on se fait chasser, mais elle sort directement. Et ça fera une touche au niveau d'où elle a été lancée. C'est-à-dire, et une touche française en plus. Allez, Fofana. Avec Bastaro. Bastaro qui va y aller pour Nakaitasi. Nakaitasi bloqué. Allez. Ah là on le repère, là c'est normal. Les Australiens, Pritchett. Ouh, Pritchett c'est bien joué. Parce que là il y a un avantage australien. Et il y a même une mêlée pour... Non, mêlée pour la France. C'est parti, introduction, elle est bien introduite cette balle. Elle est bien introduite. Et ça pousse côté français. Ça pousse mais c'est... Ça recule, ça recule, ça recule. Et on a perdu le contrôle du ballon sur celle-là. Et j'arrive pas là. Ah non. Eh oui, parce que c'est les Australiens qui avaient le ballon. Attention, il faut les plaquer. Et ça sort des 22 mètres. Au niveau de la ligne des 22 mètres, quasiment. Cette touche française. Allez. Elle est faite, là. Elle est faite pour Wesley Fofana. Et pour Yohan Ugé maintenant. Yohan Ugé, Yohan Ugé, Yohan Ugé qui s'est fait stopper. Oh, c'est dommage. Oh, que c'est dommage. Nicolas Mas qui avance. Allez.
Voilà, il a reculé par contre. Là, là on n'a pas très bien avancé. Il s'est repris. La chandelle. Et ça fait un... Non, non, il n'a plus fait de marque, hein, je crois. Et l'essai français. Non, essai australien. Non, pas du tout. Pas l'essai australien, parce qu'on était dans notre camp. Et c'est la fin du match. Victoire. Ils l'ont aplati dans leur camp. Et la victoire de la France, 19-10. Donc voilà, je vais vous dire... si je devais mettre une note à ce jeu, je mettrais 11 sur 20. C'est pas sévère du tout, parce que je pense que beaucoup de gens auraient mis moins. Mais bon, c'est quand même... Il y a quand même un peu de boulot. Il y a quand même du boulot, hein. C'est faire un jeu, c'est pas... On claque pas des doigts, hein, donc bon, un petit 11. Donc voilà, si vous... J'espère que je vous ai renseigné. Dites pas si vous voulez voir plus de vidéos sur ce jeu. Si vous voulez par exemple que je refasse la finale ou quoi. Voilà, en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les gars. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.